Nous sommes, en termes d'activité agricole, en tout point comparable avec une exploitation du milieu ordinaire. En cela, comme c'est le cas pour les autres exploitations, les financements européens sont déterminants. C'est une vingtaine d'années que je suis ici, à l'ESAT, donc dans la polyculture élevage. Donc ça me permet à évoluer et essayer d'expliquer ce que je fais dans ce parcours-là. Des nouveaux matériaux comme celui-là, s'il y a des bêtes qui se blessent, comme je vous ai dit, comme ça nous permet à les coincer, à les garder là et qu'on puisse faire manipulation plus souple et qu'on puisse faire le triage aussi. C'est aussi grâce à ces aides que nous avons pu négocier le virage de l'agriculture biologique sur un maraîchage. Un tel virage a nécessité des investissements, a nécessité une ingénierie, a nécessité une montée en compétence des personnes qui encadrent, et ça a été rendu possible par les aides européennes. Il y a le tracteur, il y a le Manitou qui est derrière vous, on a d'autres matériaux agricoles qui sont au maraîchage, qu'on utilise aussi. Notre activité, elle est un support, avant tout un support d'accompagnement pour les personnes, mais elle se doit, pour pouvoir être supportable, d'être à l'équilibre. Le financement européen, il est déterminant pour atteindre cet équilibre économique. C'est du taf, hein? Ah oui. Bon, c'est le quotidien.